Bonjour Morgan, comment tu Bonjour, vas? ça va bien et vous? Merci. Très bien, merci également. Est-ce que tu peux te présenter quelques secondes? Bah moi j'ai Morgan Moki, donc je suis joueur à l'AS Beauvais-Oise depuis maintenant. J'entame ma troisième saison au Est-ce que tu club. peux nous décrire un déplacement long ou pas? Bah je Comment vais le club partir. fait du début jusqu'à la fin? Bon, je vais partir sur un déplacement assez long, notamment on est parti jouer à Schittigheim, donc dans la région de Strasbourg, donc c'est un peu loin. Donc on est parti un vendredi, donc on joue samedi, nous à 18h. Donc là on avait joué à 16h, mais pour le coup d'habitude c'est 18h, donc on est parti le vendredi. En fait, on a pris la route jusque là-bas. On s'est arrêté manger entre deux avant de repartir sur la route. On est arrivé sur les coups de 15h. Là-bas, donc toujours le vendredi, 15h ou 16h. Donc après, on s'est changé à l'hôtel. On était logé, très bien logé et très bien accueilli, notamment à l'hôtel. Je ne sais plus le nom de l'hôtel, je crois que c'était un Ibis. C'était le Ibis, plein centre de Strasbourg, donc vraiment, vraiment le top. On s'est entraîné le soir à 16h30 ou 17h. Justement, un petit entraînement de veille de match, donc pour décrasser le voyage et puis préparer aussi le match du lendemain. Donc le club avait fait en sorte de trouver un club en région là-bas de Strasbourg qui nous accueille, nous prête ses installations, notamment le terrain. Notamment le terrain, c'était vraiment un beau terrain. Donc on s'est entraîné, on est parti. Donc voilà, après on rentre à l'hôtel, on se lave à l'hôtel. Donc par rapport au Covid, donc c'est délicat aussi par rapport aux douches. Donc on n'a pas le droit d'avoir l'accès aux douches. Donc on fait ça. Donc après on a un peu récup, donc kiné qui passe, donc on passe dans la chambre du kiné pour tout ce qui est massage ou préparation des tapes, etc. pour le lendemain. Donc on dîne le soir. Souvent on passe un petit moment ensemble, soit on joue aux cartes, soit des choses comme ça. On regarde le match le vendredi. C'est soir de Ligue 1, maintenant c'est plus soir de Ligue 2, mais c'est soir de Ligue 1, donc il y a un match de Ligue 1. Et puis le lendemain, ça se passe où on a le petit déj obligatoire ensemble. Donc après, on repart en chambre pour une petite heure, on tente de se préparer, on part en balade. Et après, le coach, soit il fait toute la causerie à ce moment-là, ou soit il fait un bout de causerie là, notamment avec l'appui de la vidéo. Puis on refait une partie au stade avant le match. Et là, pour le coup, je crois que le coach avait tout fait, toute la causerie, il l'avait faite à l'hôtel. Donc comme ça, on sait. Nos missions sur le match, je veux dire. Et du coup, quel a été le résultat de ce match contre le City À Game? City Game, on a fait nul. On a fait nul 0-0. Et pourtant, on s'est créé multiples situations. Mais voilà, il fallait être solide et prendre un point au minimum à l'extérieur. Mais c'est vrai que sur ce match, on a énormément de situations. Moi, j'en ai une d'ailleurs, où le défenseur revient et sauve sur la ligne. Mais on a fait un très bon match, et puis c'est toujours des moments sur ce match à l'extérieur, où notamment quand on gagne ou quand on fait un bon résultat, même si les points ne sont pas forcément ceux espérés, ou sur le retour, où ça crée des liens. Et puis mine de rien, c'est quand même assez long. Donc si on est tout seul dans son coin, c'est moins bien. Donc forcément, ça crée là aussi ce qu'on appelle une cohésion. Et du coup, par rapport au déplacement, est-ce que tu as un stade qui t'a le plus impressionné durant ta carrière? Dans notre poule, je vais dire Sedan notamment cette année, où c'est un stade qui est très connu et qui est très beau. Je me souviens que en national, moi j'avais pas fait partie du groupe, mais le stade de la Méno, puisque Strasbourg était à l'époque en national avec nous, et c'était le match où si Strasbourg gagnait, il montait, et nous on était quatrième à cette époque. C'était Consola qui était troisième, il fallait absolument gagner pour espérer, et on marque à la 93e où tous les mecs avaient déjà sorti le champagne, etc. Donc ouais, c'était un beau souvenir.